Poney sont déjà en train de partager la diffusion. Et soyez très nombreux ce soir de Strasbourg, de Paris. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce grand mouvement de réveil, de prière pour les nations, pour l'Église corps de Christ, pour le réveil final, pour la moisson finale. Merci de partout où vous êtes. S'il vous plaît, vous avez un Android, passez votre doigt du bas vers le haut. Vous avez un iPhone de gauche vers la droite. Partagez et invitez tous vos abonnés ce soir, s'il vous plaît. De partout où vous êtes, invitez vos abonnés. Korabashata rababasande. De partout où vous êtes, invitez un grand nombre de vos abonnés. Gloire au Seigneur, 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 gloire au Seigneur. Merci, s'il vous plaît, venez très très nombreux. Il y a urgence dans le corps du Christ, il y a urgence dans l'atmosphère spirituelle, il y a urgence dans les lieux célestes. J'aimerais que partout où vous êtes, vous puissiez vous joindre à moi et inviter un grand nombre de vos abonnés, s'il vous plaît. Vous avez un Android, passez votre doigt du bas vers le haut, un iPhone de gauche vers la droite, passez sur votre écran et invitez tous vos abonnés, s'il vous plaît. On peut le faire ensemble. J'aimerais partager la parole de Dieu, un message prophétique que Dieu a déposé dans mon esprit. Et nous allons prier pour les nations. Nous allons prier de la Martinique. Merci d'être là. Merci beaucoup de la Martinique. De partout où vous êtes, faites-nous signe, s'il vous plaît. De la Martinique, de Paris. God bless you too. De partout où vous êtes, shalom. Shalom à vous aussi, que Dieu vous bénisse. Merci de venir très nombreux. Vraiment, joignez-vous à nous. Merci prophète Joseph Manoa d'être là. Joignez-vous à nous. Il y a urgence dans le corps du Christ. Il y a urgence dans les lieux célestes. Il y a urgence dans le monde invisible. De Lisbonne, de Paris, de Guadeloupe. Venez très nombreux. Invitez tous vos abonnés. On peut aller à plus de 200 déjà en commençant la vidéo. De Washington, de Ottawa, de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire ce soir. De Londres, de Marseille, de Toulon. Merci beaucoup d'être très nombreux. Alors dans 60 secondes, je commence la vidéo. Voilà, de Chicago, de l'Espagne, de Hambourg, de Paris. Mettez de côté, s'il vous plaît, tous vos programmes. Soyez concentrés parce que nous allons dire des choses capitales qui sont très importantes pour le corps du Christ. Je vois le Cameroun est là, l'Italie est là, l'Allemagne est là, le Maroc est là. Merci, merci, merci. De Bangalore, de Bruxelles, de Lyon, de Londres, de partout. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Alors, voilà comment nous allons procéder ce soir. Je vais avoir le temps de partager la parole que Dieu m'a donnée. Faire taire la voix de l'accusateur. J'aimerais vraiment que nous puissions écouter sérieusement ce message pendant le temps que ça prendra et directement nous allons entrer dans la prière. J'aimerais vraiment que tu écoutes ce message non seulement pour toi, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes amis, pour ton église locale, mais aussi pour tout le corps du Christ. Nous allons prier, mes fils spirituels sont là, nous allons vibrer dans la prière, nous allons prier pour vos églises, prier pour les nations, prier pour le corps du Christ. Alors si vous êtes avec moi, on peut commencer. Nous allons juste commenter comme nous le faisons, nous ne posons pas des questions, on va aller directement à la prière après avoir fini le message d'aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, joignez-vous à moi dans le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, je sens la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu et je sais que Dieu est là. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 21, Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 12, si vous êtes là, merci de tweeter cela. Matthieu 21, 12, merci beaucoup. Matthieu 21, 12, vous avez vos Bibles s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles avec moi et nous allons lire la parole du Seigneur. Il est écrit ceci, Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, retenez bien, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Je répète, juste deux versets. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. 13, et il leur dit, il est écrit. Il leur dit le but pour lequel il avait fait tout ce qu'il a fait. Il a renversé, il a cassé, il a chassé. Pourquoi avait-il fait cela? Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Une autre version dit la maison de prière pour toutes les nations. Un autre évangile le dit ainsi. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs.
Je vais lire un dernier texte. Nous allons clôturer avec Apocalypse chapitre 12. S'il vous plaît, tu t'es avec moi, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Apocalypse 12 à partir du verset 7. On peut tweeter cela, Apocalypse 12, verset 7. Il est écrit ceci, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc il y a une guerre. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, vous voyez ça? Le grand dragon, un, le serpent ancien, deux, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, une autre version dit qui égare, parce que c'est le mot en grec, séduire veut dire égarer. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Précipité où? Sur la terre et lui et ses anges. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, dis avec moi maintenant, maintenant le salut est arrivé. Donc c'est maintenant que le salut est arrivé. Quand? Quand il a été précipité. Le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui, oh my God, car il a été précipité, qui? Donc celui qui est descendu sur la terre. Qui? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Je répète, celui qui les accusait, on dit, car il était précipité, un, l'accusateur de qui? De nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous allons parler sur faire taire, ou bien taire la voix de l'accusateur. Taire la voix de l'accusateur. Alors, j'aimerais que le peuple de Dieu, vous puissiez m'écouter très bien lorsque je parle de la parole du Seigneur, parce que c'est elle qui déterminera le niveau dans lequel nous allons naviguer en esprit dans la prière d'intercession et de combat spirituel. La dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 21. Je répète, la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ. Jésus va dans un endroit. Il entre dans le temple. Là, il commence directement à chasser. Il chasse les vendeurs. Et il renverse les tables de ces derniers. Et lorsqu'il renverse et il chasse ces gens, n'oubliez pas que dans le temple, il était normal de pouvoir vendre et acheter. C'est normal parce que même quand vous lisez le jour de la dédicace de Christ, les parents de Jésus devaient acheter des choses dans le temple pour offrir en même temps qu'on faisait la dédicace de l'enfant 8 jours après, lorsque l'enfant était circoncis. On vendait, on achetait ce qu'on devait aussi offrir à Dieu. Mais cela n'était pas le plus important. C'était devenu plutôt un endroit où les gens commençaient à faire des affaires, des magouilles et tout autour de tout ce qu'il y avait comme commerce. Et Jésus chasse, Jésus renverse. Mais retenez bien, il a fait cela pour quel but? Il a dit, car il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Un autre évangile dit, une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Écoutez-moi, la dernière semaine du ministère terrestre de Jésus-Christ, Jésus est entré dans le temple. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment prêcher sur les vendeurs dans le temple. Beaucoup d'hommes de Dieu aiment prêcher sur comment dans l'église aujourd'hui, on vend, on achète, on vend, on achète. Ça c'est normal, on en parle partout. Ceux qui parlent de la réforme en parlent, ceux qui parlent de la sanctification en parlent, ceux qui parlent de la repentance en parlent, mais ils oublient le but pour lequel Jésus avait chassé et avait renversé. Le but, c'était pourquoi? Parce que Jésus restaurait la valeur, l'essence, le but, la raison d'être même du temple. Ce n'est pas un lieu de vente et d'achat, mais c'est d'abord et avant tout un lieu de prière pour toutes les nations. Donc, c'est un lieu de prière pour. Lorsqu'on dit prier pour, on fait déjà un lien avec l'intercession. Pour les nations, pour. Prier pour, c'est intercéder. Donc Jésus voulait dire,
tout ce que vous faites là, je n'ai pas besoin de ça, parce que l'essence première, le temple existe, la maison du Père existe pour être un centre d'intercession pour les nations de la terre. La dernière semaine du ministère terrestre de Jésus, il est allé pour restaurer, pour nous révéler le but pour lequel sa maison existe. Le but pour lequel les saints existent dans sa maison, c'est l'intercession des nations. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, cette dernière semaine de l'Esprit de Christ sur la terre, oh my God, cette dernière saison de l'Esprit de Christ sur la terre, le Saint-Esprit entre aussi dans le temple aujourd'hui. Et il entre par des apôtres et des prophètes qui viennent emmener une réforme dans l'Église. Et le but de la réforme, l'un des buts principaux de cette réforme, casser, déraciner, casser et abattre et tout le reste, ça a un seul but principal, c'est de restaurer le but de la maison. Une maison qui va être un lieu d'intercession pour les nations. Je répète, un lieu d'intercession pour les nations. Laissez-moi vous dire, en ces derniers jours de la présence du corps de Jésus sur la terre, il est en train de revenir en cette saison afin de restaurer l'intercession dans la maison, l'intercession dans le temple. Pourquoi? Parce que c'est dans la maison, excusez-moi, c'est de la maison, dans Ézéchiel 47, que l'eau est sortie du sanctuaire, que le torrent est sorti et il a arrosé les nations. Partout où l'eau du torrent sortait, après être sortie du sanctuaire, les terres étaient assainies. Et dans Apocalypse, on nous dit même que devant le trône de Dieu, il y a une eau qui produit des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations. C'est la maison de Dieu, l'église de Dieu, le corps du Christ et le lieu où sortira la mission du temps de la fin. Des hommes et des femmes qui vont gagner les âmes, qui vont évangéliser un mouvement missionnaire sans précédent comme jamais on a connu. Mais de cette maison-là aussi, doit partir un mouvement d'intercession, de prière pour les nations de la terre. Pourquoi je parle de l'intercession? Mes frères et sœurs, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le premier département de mon église dans lequel il m'a emmené, c'était à l'intercession. J'étais à l'intercession de l'église, j'étais aussi à la chorale de l'église. Et Dieu m'a dit, je veux que tu sois dans ces deux départements simultanés. C'était impossible parce que quand tu pries beaucoup, ta voix va sécher. Quand tu chantes beaucoup, tu dois avoir une belle voix. Mais Dieu m'a dit, je t'emmène à la chorale, à l'adoration, pour que tu sois intime à mon cœur. Mais je t'emmène à l'intercession pour que tu sois intime au cœur des hommes. Pour que tu comprennes le cœur des hommes. Parce qu'à l'intercession, on passait des jours, on se lavait pas, on ne mangeait pas, mais on priait. On priait, on priait, on priait, on cherchait Dieu. Des fois, on ne se lavait pas, on ne se brossait pas les dents. On priait pour les nations, on priait pour le pays, on priait pour les couples, pour les hommes de Dieu et ainsi de suite. Et ma vie, je suis né dans l'intercession. J'ai été formé dans l'intercession. Et l'une des choses pour laquelle je donne beaucoup de place dans une église, c'est d'abord l'intercession. Alors écoutez-moi bien, corps du Christ. Vous êtes dans les cinq ministères, vous êtes dans l'intercession, vous êtes dans le corps du Christ. Écoutez très bien. Dieu est en train de restaurer l'intercession des nations dans l'église. Écoutez-moi très bien. Il y a de cela 20 ans, entre 15 à 20 ans, disons même 25 ans, la majeure partie de nos églises, surtout en Afrique, même en Afrique ou en Europe, aux États-Unis, les églises étaient très connues, très réputées. Même si on rentre 100 ans avant, 150 ans avant, lorsque les mouvements de la réforme, lorsque les mouvements protestants ont commencé, lorsque les grands revivalistes ont commencé, même dans les 15 ou 20 dernières années de nos églises, de notre génération, vous allez être d'accord avec moi que le département le plus important de nos églises était le département de l'intercession. Vous vous rappelez? La ceinture qu'il y avait autour de l'homme de Dieu, c'était pas les protocoles bien habillés, c'était pas des protocoles bien vêtus, c'était pas des protocoles avec de beaux sacs, c'était pas des belles voitures qui l'accompagnaient. Vous vous rappelez? C'était d'abord on les appelait les ceintures d'intercession. On les appelait les intercessions privées de l'homme de Dieu. Ces personnes, on ne les connaissait pas. Ils se disséminaient comme ça dans la salle. Ils priaient pour l'homme de Dieu. Ils priaient pour localiser quel mouvement par lequel les occultistes peuvent attaquer. Les hommes de Dieu étaient basés sur l'intercession. Les églises étaient fondées sur l'intercession. Mais remarquez bien, depuis un bout de temps,
Les églises ont beaucoup plus donné de la place à l'organisation, au management, au marketing, aux stratégies de croissance de l'église, au professionnalisme de la présentation des choses, dans les visuels aujourd'hui dans le monde Internet. On a mis beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas rendu compte que l'église est devenue de plus en plus faible. Pourquoi? Parce qu'on a oublié ce qui faisait la force de l'église. Et frères et sœurs, les téléviseurs, les écrans téléviseurs d'autrefois, vous rappelez-vous comment c'était? C'était pas beau d'apparence. Mais ces télévisions ont fait 10 ans avec nous, 5 ans avec nous, d'autres même 15 ans avec nous. Un téléviseur qui a duré d'apparence, c'était pas beau. Mais ces téléviseurs, des fois, on allumait ça en tapant même sur l'écran. À l'extérieur, c'était pas beau, mais à l'intérieur, c'était puissant. Mais aujourd'hui, on a des écrans plasma. À peine touché, ça se casse. À peine cogné, ça se casse. Il faut qu'on envoie un autre écran de Dubaï. Il faut qu'on commande à partir de Samsung. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a plus veillé à l'apparence. Mais on a oublié ce qui fait la force. Alors qu'autrefois, on ne se figeait pas à l'extérieur, mais regardait ce qui faisait la force de l'intérieur. Écoutez-moi, l'intercession est la colonne vertébrale de l'Église. La colonne vertébrale, on ne la voit pas. Elle est couverte par la chair, elle est couverte par la peau, elle est couverte par les habits, mais c'est cette colonne vertébrale qui maintient tout le satire de ton corps debout. Écoutez-moi très bien, mes frères et sœurs. Satan savait, il pouvait nous laisser bien habillés. Il pouvait nous laisser avec des beaux micros, des appareils photos, des canons et des décorations d'Instagram et consorts. Il nous a laissé avec tout ça. Mais le diable savait, il allait toucher ce qui est caché. S'il frappe la colonne vertébrale, c'est tout le corps du Christ qui ne pourra pas se tenir debout. Pourquoi l'église corps du Christ n'est pas debout dans les nations aujourd'hui? C'est parce que on a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de bons orateurs, beaucoup de hommes qui savent jouer avec les écritures et les versets bibliques. Mais on n'a pas beaucoup d'intercesseurs. Pourquoi? Parce que Satan sait que si je touche la colonne vertébrale, ils ne pourront ni être debout, ils ne pourront même pas avancer. Mes frères et sœurs, l'intercession, c'est comme le moteur pour une voiture. Si les deux phares, c'est comme la vision. Oh my God. Si la structure métallique de la voiture, c'est comme l'organisation de l'église. Oh my God. Si le chauffeur et le volant, c'est comme le leadership. Vous m'entendez? Si l'huile dans le véhicule, c'est comme l'onction. Quelqu'un m'entend? Oh Shabrakaba, c'est avec une bonne onction. Peux-vous les... Parce que toi, Jésus-Christ, nul homme n'a parlé comme toi. Non. Ils ont dit, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses apôtres. Pourquoi ont-ils demandé, apprends-nous à prier et non apprends-nous à prêcher? Vous savez pourquoi? C'est parce que prêcher, c'est parler aux hommes de Dieu. Mais prier, c'est parler à Dieu pour les hommes. Les apôtres savaient, cet homme est capable de prêcher ainsi. Au bout de sa langue, il attire des milliers, 15, 20, 30 000 qui quittent des villes aux autres. Pas parce qu'il parle bien. Il parlait comme tout le monde. Mais il avait des paroles remplies d'autorité. Parce que c'est un homme qui savait passer du temps devant Dieu. Écoutez-moi très bien. L'un des ministères les plus importants qui existe, mes frères et sœurs, c'est le ministère de l'intercession. Et au ciel, en ce moment, il y a deux ministères éternels. Quand j'ai dit éternel, c'est deux ministères qui continuent maintenant jusqu'au ciel. Un, les anges qui louent et adorent Dieu. Deux, Jésus-Christ qui est à la droite du Père en train d'intercéder. Deux choses se font par ceux qui sont dans le camp de Dieu actuellement. Adoration, louange, deux, intercession. Il est assis à la droite du Père et là, il est en train d'intercéder pour toi et moi, jour et nuit. Pourquoi Jésus qui t'a sauvé, son sang qui a tout accompli, il t'a racheté parfaitement. Pourquoi a-t-il décidé jusqu'aujourd'hui de continuer à être intercesseur, d'être un intercesseur, d'être l'avocat? Pourquoi doit-il être avocat si tu es déjà justifié? Pourquoi doit-il être avocat s'il t'a déjà racheté? Pourquoi doit-il être ton avocat si tu es déjà justifié? Vous ne vous êtes pas posé la question? Pourquoi Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui au ciel, alors qu'il a accompli une œuvre parfaite, totale, on est sauvé, on est saint, on est pur, on est justifié, on a le salut. Pourquoi Jésus, malgré ce qu'il a tout accompli à la croix, il a décidé pour l'éternité, donc dans l'éternité, avant l'enlèvement et ainsi de suite, continuer à être
l'intercesseur et l'avocat, celui qui nous défend devant le Père. Et pourtant, il a tout accompli devant le Père pour nous. Vous ne vous êtes jamais posé la question? C'est parce qu'il y a un autre ministère au ciel en ces instants même. Et ce ministère, c'est le ministère de l'accusateur. Écoutez ce que cet ange a dit. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance de notre Dieu, l'autorité de notre Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été précipité. Écoutez-moi, il y a la paix au ciel. Il y a la victoire au ciel. Il y a l'autorité de Christ au ciel. Il y a la puissance au ciel. Pourquoi? Parce que l'accusateur est précipité. Il n'y a pas de paix tant que l'accusateur est là. Il n'y a pas de puissance tant que l'accusateur est là. Il n'y a pas d'autorité tant que l'accusateur est là. Quand l'accusateur est là, rien de ce qui est de Dieu ne peut se déployer totalement. Parce que l'accusateur, vous connaissez tout ce qui est juridique. N'oubliez pas, Dieu est le juste juge. Vous vous souvenez? Et son trône est fondé sur la justice et l'équité. Dieu est juste. Et Satan le sait dès le commencement. Église, écoutez-moi très bien. Et on l'appelle l'accusateur de nos frères. Celui qui nous accusait devant Dieu jour et nuit. Écoutez, le plus grand ministère de Satan, le plus grand ministère de Lucifer, le plus grand ministère du diable, ce n'est pas de pousser les gens à l'impudicité. Non, non. Le plus grand ministère du diable, le plus ancien de ces ministères, ce n'est pas de pousser les gens à l'adultère au ciel. Il n'y avait pas d'hommes et de femmes, il n'y avait pas l'occasion de faire l'adultère. Le plus grand ministère de Satan et le plus ancien des offices qu'il a eu à réaliser n'était pas de pousser les gens à l'alcool parce qu'au ciel, il n'y avait pas des ivrognes. Mais Satan, Lucifer qui est devenu Satan, avait fait une chose. Il était l'accusateur dès le commencement. Écoutez-moi très bien. Satan a commencé l'accusation, pas ici sur la terre. Il a commencé l'œuvre de l'accusation au ciel. Écoutez-moi. Comment Dieu qui a créé Lucifer, il a créé tous les myriades et des myriades d'anges et d'archanges dans les cieux. Il a pu prendre un tiers des anges avec lui et de descendre avec eux. Qu'a-t-il fait pour les persuader? Qu'avait-il dit pour les persuader? Qu'avait-il rapporté à ses anges et ses archanges pour les persuader de laisser la lumière et de descendre dans les ténèbres de la terre? Qu'est-ce que Lucifer avait dit à ses anges? Je ne vais pas entrer en détail. Ézéchiel 27, 28, on dit « par la multitude de tes contrats ». Par la multitude de tes contrats. On peut trouver le verset, et c'est dans Ézéchiel 28. Par la multitude de tes contrats. Kobra satababa. Donc, le diable avait fait des contrats. Comment avait-il fait des contrats? Vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé dès le commencement? Satan, Lucifer, était allé accuser Dieu devant les anges et les archanges. Je suis sûr qu'il les avait dit quelque chose. Il les a dit, et tellement Dieu veut toujours rester le même. On peut aussi être comme lui. Si on le détrône, je vais être sur son trône et vous allez être à mes côtés. Toi, tu seras plus que Michael. Toi, tu seras plus que Gabriel. Toi, tu seras plus que les autres anges. Et il a accusé Dieu devant les anges. Écoutez-moi très bien. Satan a accusé le leader auprès des collaborateurs. Satan a accusé le pasteur auprès des anciens. Satan a accusé le mari auprès des enfants. Satan a accusé la femme auprès du mari. Écoutez-moi très bien. Vous devez faire très attention. Chaque fois que dans une église locale, vous voyez un problème qui commence, il y a des gens qui vont rapporter aux collaborateurs les problèmes du leader, les problèmes du pasteur, les problèmes de son foyer, les problèmes de sa femme et consorts. N'oubliez pas, quelque part, Lucifer a commencé à s'infiltrer et il a commencé à s'immiscer parce que c'est l'esprit qui casse la hiérarchie. C'est l'esprit qui détruit l'autorité. C'est l'esprit qui se rebelle contre tout ce qui est hiérarchique. Et c'est ce que Satan fait parce que Satan sait. Qu'est-ce qu'il a fait pour prendre un tiers? Vous imaginez un tiers? Il n'a pas pris deux, il n'a pas pris trois. Il a pris un tiers des astres du ciel et les a convaincus de descendre et de suivre sa folie. Vous savez pourquoi? Il avait accusé Dieu auprès des anges. Satan veut dire quoi?
Satan. S-A-T-A-N. Dans la, étymologiquement, Satan veut dire accusateur. Vous dites Satan, mais vous ne connaissez pas Satan. Satan n'est pas d'abord celui qui tue les gens. Non. Son nom veut dire accusateur. C'est pourquoi on l'a appelé Satan, parce qu'il est accusé. C'était pas dans Éden d'abord, c'était là-bas. Il a accusé Dieu auprès des anges. Et quand tu vois quelqu'un qui a l'habitude de venir accuser les autres vers toi, fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui a l'habitude de rapporter, il accuse ici, il accuse là-bas, fais attention, il a une sémence luciférienne. Cette personne est satanique. Quand on dit satanique, c'est pas toujours les cornes et la queue. Non. Quand on dit satanique, c'est ce qui est imbu de l'esprit d'accusation. De prendre une information vraie, de la tordre, de prendre une information fausse et de la porter pour diviser, casser et séparer. Est-ce qu'on peut dire amen, tapez amen, 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 amen. Comme ça, je sais que vous êtes là. Merci. Lorsqu'il a été précipité, oh, il est écrit, malheur à la terre et à la mer, parce que l'accusateur, il est descendu parmi vous, animé d'une grande colère. L'accusateur est descendu pour faire quoi? Pour accuser. Sur la terre, quand est-ce qu'il a commencé à accuser? Vous vous rappelez? Dans le jardin d'Éden, il a accusé Dieu auprès de Ève. Oh, Makoba Shakaba Yabanaba Santa. Il est allé chez Ève. Ève, regarde. Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit que si ceci, cela? Il dit non. Ne suivez pas Dieu. Ne suivez pas Dieu. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous allez devenir comme lui. Vous savez quoi? L'accusateur est allé accuser Dieu auprès de Ève, auprès d'Adam. Il a accusé Dieu. Il a rapporté quelque chose à leurs oreilles pour falsifier la vérité. Pour faire sortir Dieu comme celui qui est négatif, celui qui est mauvais, celui qui est méchant, celui qui n'est pas bon. Il a fait ça. Il est allé accuser l'accusateur dans le jardin d'Éden. Il a dit non, ne suivez pas Dieu, ne l'écoutez pas. Dieu, ne suivez pas Dieu. Ne suivez pas ces choses-là, mes frères et sœurs. Ne suivez pas ces histoires-là. Et il a accusé Dieu auprès d'Adam et d'Ève. Et vous savez quoi? Lorsqu'ils ont péché, Dieu appelle Adam. Adam, où es-tu? Adam a dit, je me suis caché. Dis-toi, qui t'a dit que tu es nu? Il dit, oh, c'est pas moi, c'est la femme. Et lorsque l'accusateur est descendu à Éden, il a accusé Dieu auprès des hommes, mais il a libéré l'esprit d'accusation. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam a commencé à accuser Ève. Là-bas, ce n'est pas moi, c'est ma femme. Ce n'est pas moi, c'est mon mari. Ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Ce qui nous arrive, c'est lui. Ce qui nous arrive, c'est eux. Ce qui nous arrive, c'est celui-là. Ce qui arrive, c'est celui-là. C'est l'esprit de l'accusation. L'esprit de l'accusation est venu encore plus tard, on peut le voir. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu a dit, le sang de ton frère est en train de crier. C'est-à-dire quoi? Le sang d'Abel accusé Caïn devant Dieu. Parce que l'esprit d'accusation était entré. Le sang versé a commencé à acculer, accuser. Arrête. Même dans l'hébreu, on dit que le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Est-ce que tu crois qu'on peut en parler dans l'hébreu pour rien? Non. L'accusation est dangereuse. L'accusation est dangereuse. Elle a commencé au ciel. Elle a détruit le premier couple qui existait. Elle a détruit des frères. Et l'accusation a continué comme ça au travers des siècles. J'en parlerai plus tard, un autre jour, mais j'aimerais aller directement droit au but. Quand vous lisez même dans Zacharie chapitre 3, vous allez voir l'ange déchu accuser Josué. Il accusait à la droite de Dieu. Il accusait Josué devant Dieu. Et l'ange du Seigneur a dit que l'Éternel te réprime, qu'il te réprime. Comment est-ce qu'il était allé accuser le sacrificateur? Pardon, Josué, devant Dieu. C'est parce que le diable connaît la justice de Dieu. Il sait que Dieu, même s'il t'aime, Dieu, même s'il t'a choisi, Dieu, même s'il t'aime beaucoup, Dieu est juste. Et Satan cherche toujours des choses légales en Dieu qui vont pousser à Dieu de te lâcher, de te frapper, de t'exposer ou de te punir. Parce que Satan connaît bien la justice. Satan connaît le Dieu juste que toi et moi nous prions.
Voilà pourquoi j'aime. Oh, Rabasaka Balabalabasata. Même quand tu lis dans le livre de Josué, dans le livre de Job, vous allez voir, Satan est allé au ciel. Faire quoi? Il était allé faire quoi? Il était allé accuser Job. Il a dit, oh Dieu, laisse tomber, dit. Ah, non, dit. Moi aussi, je l'ai vu, là, je viens de me promener. Tu penses qu'il t'aime pour rien? Non, 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 non. Seigneur, si seulement tu enlèves ça, tu verras. Vous voyez? Il se présente devant Dieu avec des sujets d'accusation pour trouver en Dieu le droit légal de pouvoir détruire la vie de plusieurs. Voilà pourquoi j'aime Jésus-Christ. Lorsque Satan, l'accusateur, a été précipité du ciel vers la terre, Dieu, sachant déjà cela, oh, le verbe créateur qui était à côté, dans 1 Pierre, on dit, Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Comment? Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Yes. Jésus savait. Yes. L'accusateur est descendu. Yes. Avant que le monde ne soit fondé. Yes. Moi, je vais déjà être immo au marabasaka babashaka. Yes. Pourquoi? Pour pouvoir déjà à la solution avant que le problème ne puisse descendre. Mon Dieu, mon roi, Kobasha Kababa. Yes. Jésus a été l'agneau immolé avant la fondation du monde. Yes. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'accusateur descendra et qu'il trouvera dans l'homme faillible des raisons de l'accuser devant la justice de Dieu. Alors, éternellement, il avait déjà décidé d'être l'agneau dont le sang sera versé afin que par son sang nous puissions avoir la victoire devant celui qui nous accuse jour et nuit devant les frères. Kamazobra kabasha kababaya kababasa rabasa kabaya rabaso koboche rababasa kabaya ramamasa kabaya rababase kebede. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Jusqu'aujourd'hui, l'accusateur nous accuse. Il t'accuse, il m'accuse. Il accuse l'Église, il accuse les hommes de Dieu. Il t'accuse de beaucoup de manières. Pourquoi? Parce qu'il connaît le Dieu juste et il sait qu'il va présenter tous les jours à Dieu, jour et nuit. Il accuse d'aller comme Molo. Il accuse ton pasteur. Yes. La femme de ton pasteur. Il t'a accusé, même maintenant là, Satan t'accuse. Est-ce que tu le sais? Jour et nuit, il t'accuse. Alors, il accuse devant Dieu en disant quoi à Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Il dit quoi à Dieu? Qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Il est écrit, nous branchons tous de plusieurs manières. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est un menteur. 1 Jean chapitre 1. Même toi qui prêches la sainteté. La sainteté, ce n'est pas que fuir le péché et l'impudicité. Non, 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 non. La sainteté, ce n'est pas que fuir les boîtes de nuit. Non. La sainteté. Satan sait, on branche tout de plusieurs manières. D'autres en actes, d'autres en pensée. Écoute-moi. Satan trouve des choses en toi tous les jours pour t'accuser. Satan va dire à Dieu, oh Dieu, regarde, n'est-ce pas qu'elle a été occulte le matin? Est-ce qu'elle a mené l'offrande? Elle n'a pas mené l'offrande. Comment toi tu veux commencer à bénir des gens comme ça? Tu te rappelles? Tu as oublié de donner l'offrande. Oh Dieu, regarde cette personne. Elle dit, oh, qu'elle respecte ta parole. Elle n'a même pas donné sa dîme. Comment une personne comme ça? Peut-être tu as donné l'offrande et la dîme. Mais elle te dit, regarde, Dieu, pendant le culte, quelqu'un allait donner l'offrande. Cette sœur-là, qui prie maintenant là, n'est-ce pas qu'elle a une mauvaise pensée sur l'autre sœur qui avançait? Oh Dieu, toi aussi. Cette personne-là, tu peux l'écouter. Regardez à ses enfants, ils ne sont pas des modèles. Est-ce qu'on n'a pas écrit dans les Écritures que l'évêque doit avoir une famille de personnes qui sont des modèles? Vous voyez un peu? Satan cherche tous les jours des raisons de t'accuser devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'on branche tous de plusieurs manières. Dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans ce que tu dis, dans ce que tu n'as pas dit, dans ce que tu devais dire, tu n'as pas dit. Satan a toujours quelque chose en toi pour t'accuser jour et nuit. Il va le trouver. Nous sommes là. Écoutez-moi très bien. Voilà, on est en train de revenir. Tout le monde est en train de revenir là, se mettre en ligne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, Shababa, l'esprit de prière est dans l'atmosphère. Écoutez-moi. Satan a en toi 1000 raisons par jour de t'accuser devant Dieu. Les scientifiques disent qu'il y a entre 60 à 70 000 pensées dans l'homme tous les jours. Donc tous les jours, tu as à peu près 60 à 70 000 pensées, disent les scientifiques. Et je peux t'assurer que la majeure partie des pensées que tu as ne sont pas pures. Ne sont pas pures.
Nous pensons, nous combattons l'impudicité, ce n'est pas qu'aller coucher avec une femme, non, même en pensée. Satan a des raisons, mille raisons pour aller t'accuser devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, il n'est pas seulement allé à la croix, il n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement ressuscité, mais il est assis à la droite du Père pour être ton avocat et ton intercesseur jour et nuit. Parce qu'il y a une seule chose qui détruit la voix de l'accusateur, c'est la voix de l'intercesseur. Oh my God. Au ciel maintenant, il y a deux offices qui s'adressent à Dieu directement. Un, l'intercession. Deux, l'accusation. Ce qui accuse, Satan, tous les jours, il t'accuse, ta femme, ton mari, ton église, les gens de ton église, partout, il accuse. Il accuse. Et vous savez quoi? Jésus est aussi à la droite du Père. Il intercède, Père, regarde les maîtres cieux, regarde la parole, il est écrit, souviens-toi de la croix, de Golgotha. La seule chose qui peut détruire la voix de l'accusation, c'est la puissance de l'intercession. Est-ce que vous m'entendez? Et d'ailleurs, Dieu, non, Dieu merveilleux, Daniel. Amen. Non seulement Jésus, oh my God, non seulement Jésus intercède pour nous à la droite du Père, mais ici-bas sur la terre, il y a même des gens qui disent, oh non, dans Romains, il est écrit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Écoutez-moi, mais dans le même chapitre-là, il est écrit, l'Esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède, oh my God. Il intercède par des soupirs inexprimables. Pourquoi on parle de ne pas accuser? On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi qu'on dit dans le même chapitre que l'Esprit de Dieu intercède pour nous? Jésus a tout accompli, mais l'intercession rend applicable, rend effectif ce que Jésus a accompli à la croix. Écoutez-moi très bien. Pourquoi le Saint-Esprit intercède? Parce que Dieu a prévu deux intercesseurs pour toi. Oh my God! Un intercesseur dans les cieux, c'est Jésus. Un intercesseur sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Comment il intercède? En priant en langue. Voilà pourquoi l'une des prières les plus puissantes pour un chrétien, c'est la prière en langue. Lorsque tu pries au Maroko Sobrakitabaya, Rabababababa Shaka, lorsque tu fais Rabako Sobrakitabala, le Saint-Esprit dit, Seigneur, pardonne-le, Seigneur, aide-le, regarde-le, il est faible, regarde-le encore, il est devant Internet, il va regarder la pornographie, Seigneur, regarde-le encore, aide-la, Seigneur, à ne pas mentir devant les invités. Le Saint, au Rabakashaka, Babaya Karabaseke, la prière d'intercession est l'une des voies légales par lesquelles on permet au deuxième avocat. Jésus a dit, je vous donnerai une aide semblable à l'os paraclétos, un autre consolateur. À l'os paraclétos, c'est le même terme qu'on utilise pour avocat. Intercesseur, avocat. Pourquoi Jésus est l'avocat? Pourquoi le Saint-Esprit est l'avocat? Posez-vous un peu la question. Pourquoi? Parce qu'il y a un accusateur. Pourquoi Jésus, là où il est resté intercesseur. Et le Saint-Esprit, ici, est l'intercesseur. Vous ne vous avez jamais posé la question? Parce que vous ne savez pas. L'une des armes du diable, les plus puissantes, maléfiques et sataniques, c'est l'accusation. Au ciel, il y a l'accusateur et il y a l'intercesseur. Et sur la terre, que tu le veuilles ou pas, il n'y a que deux choix. Soit tu es accusateur de nos frères, soit tu es intercesseur de nos frères. Oh mon Dieu, soit tu es l'accusateur. Au ciel, c'est comme ça. Et sur la terre, c'est comme ça. Même sur la terre, soit tu es accusateur, soit tu es intercesseur. Soit tu es de l'accusation, soit tu es de l'intercession. Alors, écris avec moi. Accusateur ou intercesseur. Écris encore. Accusateur ou intercesseur. Accusateur ou intercesseur. Tweet cela. Rababa Shaka. Il n'y a pas un ministère intermédiaire. Dans la vie, soit tu es accusateur, soit tu es intercesseur. Tweetez cela. Soit tu es intercesseur. Écoutez-moi. On va maintenant mettre le feu dans la prière. Soit tu es accusateur, soit tu es intercesseur. Il n'y a pas un autre ministère intermédiaire. Oh, moi, je suis neutre. Non. Dans la vie, soit tu es accusateur, soit tu es intercesseur. Les intercesseurs ont le cœur de Jésus qu'il a aujourd'hui auprès du Père. Et les accusateurs, ils ont la motivation, la haine du diable que le diable a en nous accusant devant Dieu. Écoutez-moi, Satan est l'accusateur. Et sur la terre et dans l'église, au Majabrakasaka, Satan a libéré l'esprit d'accusation.
c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel a parlé, son esprit a parlé par Akab. Il a dit à Élie, est-ce que c'est toi qui jettes, hein, il a dit quoi? Le trouble, hein, c'est ça? C'est toi qui jettes le trouble. Élie a dit non, c'est d'ailleurs toi qui fais cela. L'esprit de Jézabel change de rôle. La personne qui trouble, on ne l'indexe pas. C'est la personne qui ne trouble pas que l'on indexe. Kamazo braki paraya. Akab a dit, c'est toi qui trouble. Le prophète a dit, non, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. C'est d'ailleurs toi qui as mis le trouble. Quand l'esprit de Jézabel est dans l'église, on indexe les mauvaises personnes. On attaque les mauvaises personnes. On jette le discrédit sur les mauvaises personnes. On pointe les mauvaises personnes. Voilà pourquoi, église, je me lève comme un prophète pour dénoncer les dénonciateurs. Ils vous disent, c'est eux les magiciens, c'est eux les sorciers, c'est eux les occultistes. Écoutez-moi, ne les suivez pas. C'est eux les magiciens, c'est eux les occultistes, c'est eux les sorciers. Quelle est la voie la plus facile pour un voleur de ne pas se faire choper? Hein, c'est faire quoi? Quelle est la voie la plus facile pour un voleur de ne pas se faire choper? C'est de crier au voleur. Il vient de voler un téléphone. Mais qu'est-ce qu'il dit? Au voleur! Au voleur! Au voleur! Pourquoi? Pour qu'on voie tout le monde, qu'on suspecte tout le monde, sauf lui. Voilà pourquoi je dénonce Jésus-Christ TV. Avec force. Parce que ne vous en faites pas. Posez-vous un peu la question. Comment toi, tu as un pasteur? Toi, tu as un pasteur. Toi, tu es né dans l'église. Toi, tu connais les choses de Dieu. Et un homme qu'on ne connaît même pas, il vient avec une chaîne de télé sur YouTube. Il commence à parler en mal des hommes de Dieu. Et tout le monde a peur. Personne ne parle. Les enfants de Dieu sont troublés. Ils ont même peur de pouvoir. Il y a des gens qui m'ont dit, prophète, on t'aime beaucoup, mais vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je n'avais même plus à cliquer parce que tout ce qui était des anges, du surnaturel, des miracles, j'étais devenu sceptique. Depuis quand Georges Nama est devenu Dieu le Père? Depuis quand Jésus-Christ TV est devenu le tribunal de Christ ou le parlement du ciel? Depuis quand tous les hommes de Dieu aujourd'hui, on a peur parce qu'on se dit, il va me dénoncer? Depuis quand on aura peur de faire des actions et de mettre des vidéos sur Internet de ce que Dieu a fait comme miracle? Parce qu'on a peur que cet homme nous expose. Depuis quand cet homme a la voix? Ce n'est pas un homme, c'est l'esprit de Jézabel devant cet homme. Je dénonce Sorakouetou et sa bande. Je dénonce tous ces hommes-là qui sont sur Internet. Je dénonce Jésus-Christ TV et sa bande. Ils ne sont pas de Dieu. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas la chair et le sang. Je parle comme prophète. Comment l'église est paralysée? Vous imaginez un peu? Un homme, hein? De la francophonie. Tout le monde a peur de Georges Nama. J'ai fait une vidéo, quelqu'un a dit, non prophète, ne parle pas, c'est un manque de sagesse. Depuis quand on a peur de Georges Nama? Depuis quand? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas Akab. C'est Jézabel qui a derrière. C'est l'esprit de Jézabel qui paralyse les chrétiens. Les chrétiens ont fui les églises à cause de Sorakouetou et de ses messages. Pourquoi? Ils ont profité des faiblesses des pasteurs, des abus des églises, des erreurs que des pasteurs ont fait aussi. C'est la vérité. De quelques blessures intérieures que les chrétiens ont d'avoir été abusés. Ils ont profité de ça. De l'ignorance des gens. Et ils ont bâti leur ministère sur les erreurs des autres. Ils ont bâti leur ministère sur des mauvaises informations. Depuis quand ces hommes ont la voix de Dieu pour parler? Nous, nous sommes des prophètes et nous nous élevons pour parler. Le temps de laisser Jézabel opérer en Israël est fini. Ce n'est pas un homme, ce ne sont pas des sites. Je ne parle pas, écoutez-moi, je ne peux pas transpirer comme ça parce qu'il me manque à faire. Si j'en parle, c'est parce que dans le monde spirituel, Dieu m'a dit, Joël, dénonce. Parce que mon peuple est dans l'ignorance, manipulé, utilisé, exploité par des personnes qu'on ne connaît pas. Écoutez-moi, depuis 4 jours que j'ai parlé à Georges Nama, les nombres de vues, des vues sur sa page ont diminué. Les nombres de vues sur ses vidéos ont diminué. Pourquoi? Quelque chose se passe dans l'atmosphère. Écoutez-moi. Même les likes ont baissé. Ce n'est pas que ces hommes qui sont à Paris, en France, aux États-Unis. Ils sont même dans nos églises. Ils sont même dans les vidéos sur YouTube. En train de condamner tout le monde, de mettre tout le monde comme magicien. Alors qui est vrai serviteur de Dieu selon toi? Ce n'est pas un homme, c'est l'esprit qui vient, écoutez-moi, c'est une puissance qui vient de l'enfer.
Et ce soir, c'est fini. Yes. On va faire taire, oh, Pacha, baba, baya. On va faire taire la voix de l'accusateur, la voix des accusations contre ton mari, contre ta femme, contre ton pasteur, contre ton église. Tu as même peur de regarder un service de miracle parce que dans ta tête, on t'a dit, fais attention, l'abominable magicien, voilà, qui, comment il s'appelle? Benzantin, si c'est, ben, je ne le connais même pas. Écoutez-moi, lequel des pasteurs que vous connaissez a déjà mis des vidéos des bouddhistes ou des hindouistes? Lequel? Lequel? Mais ce sont ces hommes-là. Georges Nama met des vidéos des bouddhistes, des histoires de Kundalini, des histoires de voyage astral, des histoires de Chinois. Il va même regarder ça. Toi, tu connaissais ça? Non. Tu ne connaissais pas ça? Moi, je connaissais ça. Je ne connaissais pas ça. Celui qui nous a montré ces choses, vous ne savez pas? Dénonçons les dénonciateurs. C'est eux-mêmes qui sont les sorciers. C'est eux-mêmes qui sont les magiciens. Ils sont utilisés par Satan pour fragiliser l'église, pour détruire l'église, pour emmener... Les... Écoutez-moi très bien. Que vous le vouliez ou pas, on les reconnaîtra par leurs fruits. Les genres d'enfants qu'ils enfantent. Depuis que tu as suivi, tu es devenu suspicieux, tu es devenu haineux, tu es devenu orgueilleux, tu es devenu plein de critiques, plein de médisances. Même les jeunes sont dans ces mouvements extrêmes de réforme. Ils ne croient pas aux autres serviteurs de Dieu. C'est eux le corps du Christ. C'est leur leader qui est le vrai prophète. Écoutez-moi, je ne suis pas le seul homme de Dieu. Celui qui te pousse à croire que c'est lui le seul vrai homme de Dieu et que c'est leur mouvement de réforme qui est le vrai mouvement de Dieu. Ce sont des sectes, ce sont des sectaires. Ils ne connaissent pas la valeur du corps. Le corps du Christ est beaucoup plus grand qu'ils ne le pensent. Enfant de Dieu, levez-vous. Cette saison-là, c'est fini. L'église dans la francophonie a été détruite. Ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 2 ans à cause de ces gens à qui on a donné l'autorité, l'autorisation de nous parler et de décider en qui on doit croire ou pas. Regardez les genres d'enfants qu'ils enfantent. Regardez les genres de chrétiens qu'ils créent. Ils critiquent tout, ils jugent tout, ils attaquent tout. Des menteurs. C'est l'esprit de l'accusateur. Mais ce soir, c'est fini. J'ai pris ma responsabilité. En tant que prophète en ce temps de la fin, je ne suis pas le seul, on est à beaucoup. Parce que l'esprit qui vous pousse à croire que c'est vous-même le corps du Christ, c'est même qui avez la vérité, ce sont des menteurs. Je n'ai jamais vu Georges Nama dire, cet homme est un homme de Dieu. Il n'a jamais prêché lui-même. Il dit toujours, non, ils sont faux, ils sont faux. Comme quoi, la conclusion c'est quoi indirectement? C'est moi le vrai, écoutez-moi. Il n'a jamais présenté un seul homme de Dieu qui était vrai. Ça c'est l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit. Il n'a jamais mis 10 prédications à lui-même. Jamais. Il doit critiquer. Écoutez-moi, quand tu vois un prédicateur ne s'appuyer que sur les attaques des autres afin de parler, c'est pas un homme de Dieu. Crise d'inspiration, manque d'inspiration. Un homme qui a le message parle. Un homme qui a le message prêche. On n'a pas toujours besoin d'attaquer, de critiquer ou d'exposer quoi. On va exposer et on commence maintenant par vous-même. Alors ce soir, nous ne sommes pas là pour parler d'abord des hommes. Non, 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 non. Écoutez-moi, ces hommes-là, même leur mouvement, ils peuvent continuer à fonctionner. Mais si on casse l'influence qu'il y a derrière eux, on va diminuer leur autorité. Ils ne vont plus avoir de vue. Personne ne va les suivre. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons faire taire la voix de l'accusateur. Ces hommes qui viennent pour accuser tout le monde. Regardez derrière, ce Joël Francis là, il a fait ça de le passé. Regardez derrière, ce pasteur là, il avait fait ça. Et si c'est vrai, et si c'est faux? Dieu ne pardonne pas, Dieu ne lave pas, Dieu n'oublie pas, Dieu ne relève pas, Dieu ne restaure pas. C'est en quelle croix que tu crois? C'est encore le sang de Jésus? C'est en quel genre de sang de Jésus auquel toi tu crois? Tu te souviens des iniquités des autres? Tu oublies que Dieu pardonne? Dieu pardonne. Écoute-moi, Dieu n'est pas que ton Dieu. Il est le Dieu de beaucoup de gens. Écoute-moi, Dieu n'est pas exclusif. Tu n'as pas le monopole de Dieu. Nous croyons que Dieu n'est que ton Dieu. Il est le Dieu de beaucoup de gens. Un Dieu d'amour et de grâce. Un Dieu de miséricorde. Le temps de l'esprit de Jézabel est fini. Vous êtes des sorciers, des magiciens envoyés par l'enfer pour fragiliser le corps du Christ, semer le trouble. Ce n'est pas nous qui semons le trouble, c'est vous qui semez le trouble. Mais cette saison, c'est fini. Alors, avant qu'on prie, je donne le mot d'ordre maintenant. À partir de maintenant, on ne clique plus de like,
sur leur page et leur vidéo. C'est entendu? Yes. À part, je donne le mot d'ordre. À partir de maintenant, on partage tout ce qui... Tu peux mettre même une photo. Tu partages. Non à Antichrist TV. Non à Antichrist TV. Partagez, je te vous dis, 2016, leur carrière est finie. Yes. Quand tu connais un homme comme ça, en Belgique ou en Europe, partage, dis non à ces gens. Et maintenant, nous passons à l'offensive. Yes. Quand Goliath parle, on ne s'était pas. Yes. Oh prophète, reste calme. Tu as... Yes. Labababashaka. Labababababasha. Yes. Il y a des gens qui disent non, restons silencieux. Restons silencieux. Laissons Dieu parler. Dieu va parler. Laisse Dieu te justifier. Dieu va te justifier. Lorsque Goliath parlait devant Israël jour et nuit, il les a intimidés. La puissance des paroles les a paralysés. Tout un peuple a été paralysé. Vous imaginez un peu? Les 20 000 et le roi, ils tremblaient comme ça. Vous ne connaissez pas la puissance des paroles. L'accusation a une puissance de faire quitter quelqu'un. Les gens quittaient leurs églises à cause de ces chaînes de télévision sur YouTube. Des églises qui ont fermé. Un bishop en France, son église a fermé. Parce que cet homme a accusé. Il a rapporté des choses qui n'existent pas. Mes frères et sœurs, ce temps-là est fini. Dieu ne descendra pas pour parler devant Goliath. Il faut un homme courageux qu'il s'élève et parle au nom de Dieu contre cet incirconcis qui est en train d'insulter le nom de notre Dieu et les œuvres de son esprit. Cette saison-là est totalement finie. Il y a un temps où Esther devait prier à Dieu, mais il y a un temps où Esther devait parler au roi. Il y a un temps pour parler à Dieu, il y a un temps pour parler au roi. Et Dieu m'a dit, Joël, maintenant parle. J'ai fait une année de silence. Je n'ai jamais parlé. Je n'ai jamais répliqué. Tous les moyens pour le faire. Vous savez, il y a une photo qu'on a mise sur internet où on me voit prier pour quelqu'un, mon fils Daniel, derrière un homme et sa main comme entrée dans une poche. Si vous avez vu cette photo, tapez oui, 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 oui. Oh, Shabra Masaka. Si, voilà, si vous avez vu ça, si vous avez vu ça, tapez juste oui. Tapez juste oui. Je vous donne un exemple de comment Satan peut détruire, comment Satan peut troubler des gens. Regardez ça. Voilà, dans cette vidéo, ça a été filmé l'un des dimanches à l'église. Là, il y a les trois personnes que vous avez vues sur cette photo. Il y a le prophète Joël Francis Tatou à droite, au milieu de Daniel qui était derrière. Et celui qui a le micro, c'est l'homme qui avait témoigné. C'est le pasteur Eric, il est représentant du pasteur Alf Lukau, alléluia, ministrice de l'Afrique du Sud, qui est un père pour moi. C'est lui qui représente son ministère ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a eu un travail, il a eu deux travails. Et aujourd'hui, il gère des millions de dollars. Par la grâce de Dieu. Regardez bien cette vidéo. Là, maintenant, c'est lui. Il est passé témoin. Il est venu à l'église. Et il a commencé à expliquer comment cette photo-là a circulé tellement. Des pasteurs ont commencé à l'insulter et à mal parler de nous. Regardez bien vous-même. Je vais essayer de parler comme ça, vous pourrez suivre. Ça, c'est un petit exemple. Voilà. Oh my God. Regardez, il dit. Mon frère bien-aimé était derrière moi. Il pensait peut-être que j'avais un téléphone et qu'il allait penser que j'allais tomber. D'ailleurs, il n'avait même pas introduit sa main. Parce que chez les protocoles, quand on prie pour une femme qui a un enfant, on retire l'enfant, des lunettes, on enlève les lunettes, un téléphone, on enlève le téléphone. Et comme je suis pasteur, hein, voilà, Daniel a refusé au Rabasaka. Il dit, je n'ai jamais eu l'argent ce jour-là. Vous entendez?
Il dit partout où je passe, les gens disent j'ai beaucoup d'argent. Et les gens qui ont propagé ça, il dit ce sont des amis pasteurs. Il dit il devait même aller prêcher quelque part. On l'a dit qu'il a fait alliance avec un magicien. Il dit il devait intervenir dans une conférence. Il n'a pas pu. Parce qu'on a dit qu'il a fait alliance avec un sorcier. Il dit, moi Dieu m'a dit qu'il est prophète. Vous entendez ça? Enfant de Dieu. Attention aux médias. Vous voyez par exemple cet exemple? Après une année, je n'ai pas parlé. Vous voyez par exemple cet exemple? C'est le pasteur qui assure la photo. Je priais pour lui. Daniel est allé derrière lui, comme c'est un pasteur. Il avait un téléphone. Et comme il était en train de vouloir tomber, Daniel était derrière lui pour le récupérer. Et c'est moi-même qui ai mis cette photo-là sur ma page Facebook. Et vous savez, c'est mon propre photographe qui a fait la photo. Non, c'est pas quelqu'un, c'est moi-même. Comment un voleur peut prendre une photo qui expose leur manigance? Écoutez-moi, ça c'est vraiment de l'incrédulité. Donc moi et mon protocole, on a des milliers de gens pour mettre de l'argent dans les poches et les comptes en banque des gens. Depuis quand? Depuis quand? On a prié ici. Chez un pasteur, un fidèle a eu 100 000 dollars dans son compte en banque. Vous imaginez un peu, Dani qui est là, Dani, ma fille de la Belgique qui est là. Sa sœur est venue, je crois, de Kinshasa. Miracle money. Même, oh mon Dieu, mon roi. Les gens sont juste incrédules, méchants et mauvais. Et vous savez qui a propagé cette photo? C'est, oh mon Dieu, c'était un fils à moi qui était mon protocole. Oh mon. Vous imaginez? Ne vous en faites pas, on est là. Vous imaginez? Qui a propagé cette photo? C'était quelqu'un qui était mon protocole, qui a quitté le ministère sans ma bénédiction. Il a pris cette photo, ils ont propagé ça. On a partagé ça dans le monde entier pour dire voilà comment ce prophète fait des faux miracles. Ça, c'est l'esprit de l'accusateur. Voilà pourquoi faites attention à Internet. On peut prendre quelque chose et faire dire à un son, à une image, à un extrait, ce qui n'est pas vrai. La réalité n'est pas la vérité. Voilà pourquoi maintenant et ce soir, nous allons prier. Je vais laisser la parole à Daniel maintenant. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons... Ça c'est un seul exemple que je vous donne. Pas seulement par rapport à moi. Mais par rapport à tout ce qu'on dit sur les pasteurs là sur Internet, on prend une petite séquence. Voilà ce qu'il a dit. Il a fait une blague. Voilà ce qu'il a dit. Et on a vu quelque chose. Voilà ce qu'il a dit. Faites attention. Ce sont des accusateurs de nos frères, des hommes qui ont été envoyés tout droit de l'enfer pour paralyser le corps du Christ. Mais maintenant, c'est fini. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et son église s'élève avec puissance et gloire. Nous dénonçons les dénonciateurs. Les accusateurs de nos frères sont vaincus et Jésus est Seigneur. On va commencer à prier maintenant. Daniel peut venir. Oh Rabasha Kabasa, Rababash, dans les familles, dans les églises, dans le corps du Christ, sur Internet. C'est Satan qui est venu accuser, détruire et diviser. Nous allons nous opposer à ça maintenant. Fermer leur bouche, briser leur impact, faire tomber Jézabel, renverser son trône, briser ses stratégies, détruire ses hôtels, casser ses temples. Nous allons prier maintenant. Alléluia. Maïka tabala brasso tokoria baba. Le kalabasandalia balabashata kariaba manderia basa. Laika bade brosso koria manderia basata kariaba babasha. Là où tu es, tu peux prier avec nous ce soir. Là où tu es, tu peux prier avec nous ce soir. Nous constituons le réseau des intercesseurs mondiaux qui prient pour le réveil. Nous constituons le réseau mondial des intercesseurs qui prient
pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous faisons taire toute voix d'accusation maintenant. Lève ta voix là où tu es, prie avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, nous faisons taire maintenant la voix de l'accusation, la voix de l'accusation qui se lève maintenant contre ton église, Seigneur, qui se lève maintenant contre ton église dans la francophonie. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons taire la voix de l'accusation. Nous faisons taire la voix de l'accusation, Seigneur. Nous faisons taire la voix de l'accusation par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, qui crie puisque le sang d'Abel, Christ est mort pour nous. Il est notre intercesseur. La voix de l'accusation, la voix de l'accusation qui réclame ton église, qui réclame ton pasteur, qui réclame à écrouler ton prophète, qui réclame à fermer les églises au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. La voix de l'accusation, nous fermons la bouche à tout prêtre de Satan, à tout prêtre de Satan, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable est vaincu, le diable est vaincu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'accusation a pour rôle de charger l'atmosphère. L'accusation par ses paroles a pour rôle d'alourdir l'atmosphère. Là où tu es, est-ce que tu peux élever ta voix pour libérer le ciel sur ton église, libérer le ciel sur ton ministère, libérer le ciel sur ta ville, sur ton pays? Est-ce que tu peux élever ta voix au nom puissant de Jésus-Christ? Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus-Christ que l'atmosphère est dégagée. Nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ que l'atmosphère est dégagée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous faisons taire la voix de l'accusation. Nous faisons taire la voix de l'accusation contre ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le feu de Dieu, nous faisons taire tout autel de diable qui fait monter des accusations, qui réclame des ministères, qui réclame des vies des hommes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, dans la francophonie, nous libérons l'atmosphère sous l'autorité apostolique et prophétique. Nous dégageons l'atmosphère au nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, qui a vaincu, qui a vaincu, qui a vaincu, qui a vaincu, qui a fait de nous des victorieux. Nous déclarons que le ciel est dégagé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant qu'il n'y a plus de prophètes qui sont dans les cavernes à cause de Jézabel. Il n'y a plus de prophètes qui se cachent dans des grottes, dans des cavernes, qui ne mangent que du pain et de l'eau, qui ne savent pas exercer leur ministère à cause d'une femme qui s'élève avec l'autorité démoniaque. Nous libérons l'atmosphère. Il est temps, Père, car la Bible déclare, au dernier temps, tu Élie le prophète reviendra. Lorsque Élie le prophète revient, il a autorité de briser tout esprit de Jézabel, de battre tout esprit de Jézabel. Dans cette génération, Père, nous sommes une génération de défis. Oh Père, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit. Là où tu es, tu vas prier, tu vas réclamer le feu, que le feu de Dieu fasse écouler, que le feu de Dieu consume tout autel de l'accusation. Lève ta voix là où tu es, prie avec nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que le feu de Dieu, la Bible déclare que tu exerces ton jugement par le feu, que le feu de Dieu, Seigneur, localise toute personne qui est comme élément du diable, qui porte la voix de l'accusation pour affaiblir le royaume, pour affaiblir l'église, pour affaiblir tes rois, pour affaiblir tes prophètes, tes apôtres, tes docteurs. Yes. Alléluia. Nous prions le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. L'Église est libre, les serviteurs sont libres à exercer leur ministère au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui était en train de tomber se relève, que celui qui avait peur puisse recevoir le courage d'avancer et d'affronter cette armée de balles qui s'est lève dans ce temps de la fin. Nous déclarons que Jésus-Christ gagnera des nations. Nous déclarons que Jésus-Christ gagnera des nations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maliou Toto Brocha. Le Karia Baba Baba Bacha. Malele le Bobo Bobocha. Liata, Liata, Liata. Leba, 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 Leba.
Zozo Kiriaka Malia Takabre Lebroso Loke Mele de Nebroso Laike Bre Lebrecosa Aleka Mande Kebroso Ikoro Bobo Bobo She Yete Kerebebebesha. Pray. Lève-toi, enfant de Dieu, là où tu es. Lève-toi, intercesseur de Dieu, là où tu es. Lève-toi, prie pour l'église de cette nation. Prie pour l'église de ton pays. Prie pour le réveil de l'Afrique. Prie pour le réveil de l'Afrique. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Le ciel qui ne pouvait pas. Alléluia. Mettre à cœur qu'on prie, yes, qu'il élève de nouvelles voix apostoliques et prophétiques. Alléluia. Des hommes qui auront le courage, yes, l'audace de dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Mm. Des voix prophétiques, des voix apostoliques. Yes. Des personnes qui vont avoir le courage d'influencer des villes, d'influencer des nations, yes, d'être comme les chiens des chats, yes, qui avancent avant que les chasseurs, yes, n'arrivent. Yes. Nous allons élever les voix, yes, prophétiques. Yes. Lève ta voix là où tu es. Alléluia. Que l'Éternel suscite en encore de voix apostolique. Que l'Éternel suscite encore des hommes et des femmes qui ont la voix prophétique. Des hommes et des femmes qui peuvent faire retentir la voix apostolique et prophétique. Le Dieu des esprits des prophètes est vivant. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ que des hommes que tu t'es choisi, où qu'ils se trouvent, en Martinique, en Europe, au Rwanda, au Burundi, en Afrique du Sud, au Mali, au Canada, en France, en Belgique, Seigneur, des hommes que tu t'es choisi maintenant, à qui tu donnes la voix apostolique, à qui tu donnes la voix prophétique pour faire retentir dans cette génération. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ces hommes sont en train d'être suscités. Des femmes de réveil, des femmes de réveil, des femmes de réveil, des hommes de réveil, des hommes qui prient, qui passent des heures dans la prière, et lorsqu'ils sortent à cause de leurs paroles, ils dégagent des villes, ils libèrent des villes. Il y a des hommes qui gagneront des villes. Il y a des hommes qui gagneront des nations. Il y a des hommes, lorsqu'ils rentreront au Père, rendront des comptes. Ils vont montrer au Seigneur, voici j'ai gagné la Guadeloupe pour toi. Voici j'ai gagné la Martinique pour toi. Voici j'ai gagné la France. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus ne sortira pas des nations. Aucune nation de la terre ne sortira Jésus-Christ. Jésus-Christ gagnera la Tunisie. Il gagnera le Maroc. Il gagnera l'Algérie. Il gagnera la Libye. Il gagnera la Turquie. Il gagnera la Chine. Au nom puissant de Jésus-Christ, les missionnaires qui sont ton front, Père, les voix apostoliques s'élèvent, les voix prophétiques s'élèvent. Au nom puissant de Jésus-Christ, des hommes qui naissent dans le feu, des femmes qui naissent dans le feu, des femmes qui naissent dans le feu, qui naissent dans l'autorité du feu. Lorsqu'ils parlent, le ciel entend. Lorsqu'ils parlent, le ciel entend. Mali Kadaba, Mali Debroso Tokoria, Le Kebre Le Bobobosha, Makeria Baba Baba Babasha, Re Bobobobosha, Mekeria Re Rebesha, Re Re. Yes. L'intercession prophétique dans l'église. Amen. Que les intercesseurs s'élèvent. Micah. Que les personnes qui supplient s'élèvent. Yes. Que les sentinelles s'élèvent. Yes. Que les veilleurs s'élèvent. Yes. Que les guetteurs s'élèvent. Yes. Que les porteurs de fardeaux s'élèvent. Yes. Les intercesseurs prophètes s'élèvent. Fire. Les prophètes intercesseurs s'élèvent. Fire. Les réseaux d'intercession s'élèvent. Yes. Les réseaux des structures d'intercession. Yes. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père, nous prions pour le réveil. Yes. Nous prions pour l'unité. Nous prions, Seigneur, pour ce réseau des intercesseurs qui s'élèvent. Des hommes et des femmes des villes ayant le fardeau pour le réveil vont s'associer pour prier. Yes. Comme tu l'as fait à Azusa Street. Des hommes et des femmes qui étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Jour après jour, non-stop. Et le réveil est venu. Nous déclarons ces choses en France. Nous déclarons ces choses au Cameroun. Nous déclarons ces choses au Congo-Brazzaville. Nous déclarons ces choses en Côte d'Ivoire. Yes. Au nom de Jésus-Christ, il y a déjà des ambassadeurs de Jésus qui vivent dans ces villes, dans ces pays-là. Des hommes que Dieu enflamme maintenant qui apporteront le bouleversement. Des hommes, de jeunes femmes à apparence faible, mais que Dieu va donner l'autorité, que Dieu va répandre son esprit afin que le réveil s'élève. Des hommes qui passent des heures et des heures en prière. Lorsqu'ils attendent
n'attendront qu'un pasteur à pécher. Ils vont pas les critiquer, mais ils vont mettre leurs genoux à terre pour demander à Dieu de relever son héros, de relever son militaire, de relever son général afin de continuer la guerre. Nous avons besoin dans la francophonie du pasteur Mamadou Karambiri. Nous avons besoin des frères Castanon. Nous avons besoin des pasteurs Roland. Nous avons besoin des pasteurs Marcelo. Nous avons besoin du prophète Joe Grasse. Nous avons besoin du prophète Joël Francis Tatou. Nous avons besoin de du pasteur Abba Isaac. Nous avons besoin de l'apôtre Guitoisa. Nous avons besoin du pasteur Alf Lukau pour que l'évangile aille de l'avant. Seigneur, soutiens tes héros, soutiens tes fils, soutiens tes soldats au front. Que personne ne tombe, que personne ne tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, tu soutiens le prophète Joseph Manoah. Seigneur, tu soutiens le prophète Joseph Manoah. Tu soutiens le prophète Jérémie Samuel. Tu les soutiens là où ils sont au front. Père, tu les soutiens. Ils ne tomberont pas. Nous les déclarons. Nous les déclarons que l'apôtre Kakou ne tombera pas. Nous les déclarons. Ils sont relevés. Ils sont fortifiés. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Tu soutiens le prophète Domoro. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comment Rabacha Kabaya. La baba 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 sha, la baba baba sha, la baba baba shaka, la baba baba seke, le bébé 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 sondo, la brama mama mashaka, la baba 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 saka, la baba 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 shata. Éternel Dieu tout-puissant Père, alors que Abraham avait appris qu'il y avait des hommes qui partaient pour la destruction de Sodome. Abraham était au courant de ce qui s'est passé au Sodome. Yes. Mais la Bible dit Abraham était en train d'intercéder. Yes. Seigneur, si tu trouves même un juste, ne tue pas. Oh. Seigneur, si tu trouves même deux personnes justes, ne détruis pas. Yes. Seigneur, laisse que des Abraham puissent s'élever. Yes. Des personnes qui peuvent connaître le mal de leurs frères. Mais il se met à genoux en train de prier. Yes. Il se met à genoux en train de crier. Seigneur, ne détruis pas cette sœur. Seigneur, ne détruis pas cette serviteur. Seigneur, l'espère que les intercesseurs se lèvent et que les accusateurs puissent fermer leur bouche. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous neutralisons, éternel Dieu, l'influence de la bouche, éternel Dieu, des accusateurs. Dans le nom puissant de Jésus. Étant de fils de prophète, étant de prophète, éternel Dieu, nous neutralisons, éternel Dieu. Et nous déclarons, éternel Dieu tout-puissant, que les accusateurs, leur puissance, leur influence est neutralisée dans cette nation, est neutralisée dans le monde. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, à cause, éternel Dieu Père, des sacrifices que fait tes serviteurs, nous déclarons, éternel Dieu, tout insulte, nous déclarons tout critique, Père, qui sortira de la bouche des accusateurs, devient des compliments aux oreilles de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, ils peuvent rien contre ton église, ils peuvent rien contre ton église, ils peuvent rien contre tes serviteurs, parce que vous avez payé un prix qui coûte la vie d'une personne, la vie d'un Dieu, à cause de la naissance de l'église. Et nous déclarons, éternel Dieu, qu'aucune personne, aucun homme qui est venu dans ce monde à la voix d'une femme peut arrêter l'église qui coûte le sang d'un Dieu. Au nom de Jésus, voilà pourquoi nous déclarons que de la même manière que Élie avait coupé les têtes des serviteurs de Baal, nous coupons leurs têtes, nous neutralisons éternel de leur site internet. Ils ne peuvent rien. Ceci, éternel Dieu, est rien. Nous déclarons, éternel Dieu, aucune de leur puissance, aucune de leurs publications aura la puissance et le pouvoir de capter l'intention de tes enfants. Au nom de Jésus, voilà pourquoi nous détruisons, nous coupons leurs têtes, nous coupons leurs têtes, nous coupons leurs têtes, nous coupons leurs yeux, nous coupons leurs mains. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes montés dans la montagne de Mont Carmel. Et Baal ne parlera pas. Baal ne parlera jamais. Il est grand temps que Baal puisse se taire et que Jésus-Christ doive parler. Il est grand temps que Jézabel doive se taire et que des serviteurs doivent être parlés. Nous déclarons qu'ils sont sortis du palais royal. Ils sont sortis du palais royal. Ils sont sortis de là où ils étaient. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, éternel Dieu, que l'unité éternelle Dieu est devenue notre partage. Nous déclarons, éternel Dieu, que le feu du réveil est en train de monter. Yahweh Père, ça influence tout le monde. Ça influence tout le monde. À partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir, je suis en train de voir des chrétiens unis. Je vois des chrétiens unis qui s'unissent pour prier pour leurs frères, pour prier pour leurs sœurs, alors qu'ils apprendront même
donne de nouvelles, même des remarques, même des critiques. Ils vont plus critiquer, ils se mettront à prier. Comme l'église était réunie pour prier pour Paul, ils n'ont pas dit qu'il n'y ait pas l'église. Ils n'ont pas dit qu'il n'attend pas. Mais c'était là, il est en train de prier pour sa la libération de Paul. Voilà pourquoi je prie à ces instants. Éternel Dieu, Père, que cet amour des intercesseurs puisse influencer tout le monde, influencer la France, influencer les États-Unis, influencer le Canada, influencer la Côte d'Ivoire, le Ghana, au nom puissant de Jésus, l'RDC Congo, l'Inde, Yahweh, au nom puissant de Jésus, l'Ukraine, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je vois l'armée de l'Éternel en train de s'élever, je vois l'armée de l'Éternel en train de s'élever, comme dans Ézéchiel 37, c'était déjà des ossements desséchés, mais la Bible dit une armée était élevée. Je suis en train de voir les chrétiens détruits en train de s'élever à cause de la prière de ce soir. Je suis en train de voir ceux qui étaient considérés comme des corbeaux. Dieu est en train de leur donner encore une seconde chance pour encore aller sauver, pour aller encore nourrir, pour aller nourrir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Karababababo shata. Ilebo shikata yamazo. Le kazazuze. Ibra shakata toto shata. Manerebo shata. Manerebo zizo zozo. Inerebo shiabababo shata. Nous délogeons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous délogeons tous les accusateurs dans les églises. Nous délogeons tous les accusateurs dans le monde. Au nom puissant de Jésus, l'armée des intercesseurs est élevée dans le monde pour le réveil, pour un grand réveil, pour un grand réveil de personnes unies, pour un grand réveil des hommes de Dieu unis. Comme un seul corps, la douleur ou encore les blessures de l'autre doivent affecter toute l'église. Au nom puissant de Jésus, alors qu'on apprendra de nouvelles têtes, pasteur est tombé, nous ne serons pas là pour partager sur Facebook, mais pour intéresser nos amis, intéresser nos frères et sœurs, afin de se mettre en prière, pour prier à Dieu et dire, Seigneur, donne-leur une seconde chance. Ne les laisse pas tomber. Ne les laisse pas tomber dans le nom puissant de Jésus. Je vois une armée s'élever. Je vois les intercesseurs en train de s'élever. Et la bouche des accusateurs en train d'être fermée au nom de Jésus. En train d'être fermée au nom de Jésus. Parce que nous sommes sur la montagne de Carmel où Baal ne doit pas parler. Où les accusateurs ne peuvent rien. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Que les Boshata, les Kayamazu, que tout On acclame pour la victoire. On acclame pour la victoire. On acclame pour la victoire. Alléluia, alléluia. On acclame pour la victoire. Alléluia, alléluia. On acclame pour la victoire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous déclarons maintenant yes. l'émergence de yes. cette église glorieuse, yes. sans tache, yes. ni rides, yes. ni rien de semblable. Alléluia. Parce que Jésus ne viendra pas prendre une église apostate, divisée, yes. faible, yes. Déprimée, avec des rides. Il vient prendre une église glorieuse. Et c'est le temps où cette église glorieuse se lève maintenant dans l'église. Que se lève dans l'église la voix des intercesseurs. Et que se taise à jamais la voix des accusateurs de nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà, c'était le vôtre, le prophète Joël Francis Tatou. Nous allons cette semaine foncer dans la prière. Mais sinon, que Dieu vous bénisse. Pour votre amour, pour votre fidélité, la vidéo va être reconstituée en une seule vidéo. Les vidéos seront mises ensemble en une seule vidéo. Et nous allons mettre ça sur YouTube, non seulement pour écouter la parole, les explications, les dénonciations que nous avons aussi faites au nom de Jésus-Christ et la prière surtout, parce que c'est elle qui est la plus importante de toutes les parties de tout ce que nous avons fait. On est unis dans la prière. Ne sont pas distraits et ne sous-estimez pas la puissance des accusations. Elles divisent, elles détruisent, elles paralysent. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Les vidéos sont sur Periscope. On peut encore partager les liens sur Catch Me aussi.
Et on va mettre les vidéos demain, certainement, la vidéo entière sur YouTube. Et on va partager ça. On a donné le mot d'ordre. On va isoler ces personnes-là. Ils vont être comme des boxeurs sur un ring, sans avoir d'adversaire. Ils vont se battre eux-mêmes, s'agiter eux-mêmes. Ils n'auront pas quelqu'un qui va les suivre. Et on va les dénoncer sur nos pages Facebook, sur nos profils. Hommes de Dieu, prenez le relais, faites des vidéos, dénoncez ces gens. Il faut une contre-voix, une autre voix contraire pour arrêter certaines choses. Goliath a parlé, le temps est arrivé où des David courageux, même qui peuvent être découragés par des aînés, mais ils doivent s'élever pour parler. Parce que quand personne ne parle, c'est tout le monde qui subit les conséquences des paroles de Goliath. Il faut que quelqu'un se lève et on s'élève. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivez-moi sur Facebook, Prophète Joël Francis Tatou. Twitter, Prophète Joël Francis, Prophète sans E. Instagram, AMJFT. AMJFT. Et soyez bénis. Merci d'avoir été très nombreux ce soir. Merci à Daniel, à Dieu béni Chile. Que Dieu vous bénisse d'avoir été avec moi à la brèche et à vous tous d'avoir prié avec nous. Je vous retrouve demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Et voilà. Passons maintenant à l'action. On a prié, on a parlé. Passons maintenant à l'action. Allons maintenant mettre fin au règne de ces gens en public. Parce qu'il y a une puissance dans la communication. Soyez bénis. Portez-vous bien. Au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée à vous tous. Merci.